Je ne sais pas si vous allez voir parce que ça fond, ça tient pas, mais c'est de la neige, les gars. Il neige. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, je suis trop contente. Ça me remplit de joie, les gars, putain. Littéralement, désolée, mais j'allais me mettre aux toilettes. Et lui, là, sa passion, c'est de venir faire des câlins quand vous êtes aux toilettes. Bon, maintenant, je dis ça, il s'en va, mais dès que vous allez faire pipi ou quoi, il y a Ernesto de Madrigal. Ah non, mais regardez ça, mes cupcakes, comment c'est trop cool. Il y a plein de neige, je suis trop fan, putain, je suis trop heureuse. Oh my god! Oh, je suis trop contente, j'aime trop la neige, putain. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut de l'hiver, du Noël, de l'hiver, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est Didi. On a reçu quelques colis, du coup, je vous montre pour en part qu'ils sont trouvés dans le don, c'est pas pourquoi, donc je vais devoir faire un point de couture, mais... On a reçu deux petits pour les chats, bien évidemment, parce que j'adore acheter des jouets inutiles pour mes chats. Et en fait, je les avais pris en me disant, Goupy adore les peluches. En vrai, je te jure, je me disais, elle va plus partir, la chatte. Il n'y aurait pas eu mon frère, ça, avant de regarder la chatte. Oui, c'est sûr. Mais du coup, bon, bref, elle est chez mon frère, donc tant mieux, d'un côté. Mais Ernesto adore aussi les petits jouets en peluche, et Macchiato aussi. Mais Macchiato préfère en plus quand il y a un bâton ou des fils. Mais bref, ça leur fait des petites peluches à jouer. Et en vrai... Comme ça, quand c'est l'hiver fini, on les range dans les cartons de Noël et ils ont des jouets de chaque saison. C'est bien quand tu dégraisses. Le deuxième paquet, je me rappelle pas du tout avoir commandé ça, mais ok. Ce sont des sacs poubelles Hello Kitty. Ce sera parfait pour ma chambre vu que c'est des petits sacs. Bibiche, elle biche parce qu'elle veut voir la neige et qu'elle peut pas par la fenêtre. Donc faut qu'on mette un truc devant la fenêtre pour qu'elle puisse voir. Tu veux aller voir la neige, biche? Regardez comme c'est l'hiver, c'est Noël bientôt. Le cerf, il est congelé sous un plaid. Ouais. Regardez, après, on dit, ouais, c'est une gentille sœur et tout. Elle est en train de me craquer les orteils. Elle s'amuse à arracher mes orteils. Elle est craquée. Ah, le gros, il craque pas. C'est pas un gros. Non, celui-là, il est cassé. Non, mais pas le quatrième. Hein. C'est tellement beau. Je vous reprends. Je viens de regarder l'heure et j'ai déjà oublié. Bref, c'est pas grave. J'en ai renversé partout, mais je voulais goûter avec vous le Capri Sun aux cerises. Je l'ai vu passer partout, je l'ai jamais goûté. Et hier, il y en avait sœur. C'est pour ça qu'il fuit. Mais comment ça a pu s'enfoncer autant là-bas? C'est n'importe quoi. Oui, j'ai fait transpercer mon truc. Bref. Il y en avait hier à marché frais, du coup Brandy m'a dit vas-y prends-en. Il était à 43 centimes pièce et je voulais goûter. Donc je vais goûter, je vais dire ce que j'en pense. Ah, c'est bon, mais c'est super sucré. Un peu comme le Mister Cocktail. Tu goûtais? C'est du Mister Cocktail à la cerise, clairement. C'est très bon, mais ça vaut pas le classique. Moi j'adore le multivitaminé en Capri Sun. Enfin, là, c'est un petit péché mignon. Même si ça va pas ou quoi, les adultes à 36 ans, boire du Capri Sun. C'est beaucoup trop beau. Je suis une gamine, hein, mais je suis beaucoup trop contente qu'il y ait autant de neige dehors. C'est trop beau. Ça, c'est le temps qu'on doit avoir en novembre et en décembre. Voilà, là, on est bien. C'est tellement joli. Nadie s'est réclamée à sortir. Au final, la neige, elle la voit. Elle en... peut-être pas, en fait. Allô Mimi! Mimi, elle est bien plus aventurière que Didi, ça. Regarde mon Nini, c'est la neige! Alors ma fille, c'est comment la neige? Je l'ai sortie, mais juste dans mes bras. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo parce que j'avais peur pour elle. Elle a peur des bruits, donc avec le vent et tout, c'était horrible. Mais c'était sympa de tester la neige! Ninique aussi l'a testé la neige et là on va essayer de sortir le Nénestouille. Avec le petit Ernesto à contre-jour, mais let's go le faire tester la neige. Alors Ernesto, ça fait quoi mon titi? Non, il fait frais. Pas à l'aise mon bébé. Il est quand même plus aventureux que Ninique. Oula, il est vivant. Putain, ça fait me casser la gueule. Ça
Ça va, Nisto? Oui, il est beau. Non, en fait, c'est bon, je veux bien rentrer. Je crois la neige, ils ont dit en fait c'est froid. Le poêle à la maison, c'est bien. Mais regardez voir comme c'est beau. Avec ça, on va manger des crêpes. On est devant le meilleur pâtissier. Là, c'est la pub. Je me suis fait le petit matcha latte. Bah, la pâte à crêpes et une Maryse. Et une assiette chacune. Et si on veut mettre des trucs dessus, j'arrive, t'inquiète. Je dois du coup vernir le truc comme ça que j'ai fait pour ma maman. Je ne vous montre pas du coup parce que je veux pas qu'elle se spoule. Et voilà. C'est tout. Et il neige beaucoup. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. Dès que je regarde dehors, je fais oh, il neige beaucoup, j'aime trop. Je suis heureuse. Et j'ai des nouvelles de mon amoureux. Et il neige aussi là où il est. Donc voilà. J'ai hâte de le retrouver. J'ai peur pour mes enfants. En fait, je suis déçue qu'il neige autant et qu'il n'y ait pas mes enfants pour les faire sortir dans le jardin quand ils rentrent de l'école. C'est ça qui m'a un peu saoulée. Libby, j'ai pas la crème, hein. Pas la pâte à crêpe. Je mets le flash pour vous montrer la neige parce que c'est incroyable. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je remets quand même le flash que vous voyez bien. Ça c'est le devant. C'est vraiment trop beau avec les petits ponts et tout. Ouais, même le SMIC il est enneigé. Les toits des maisons en face, ça c'est trop beau. Coucou les cupcakes, je vous reprends. On est le vendredi 22 novembre. Il est 10h15. Voilà le secours qui a été chercher notre cagette de légumes du vendredi. Et ouais, je passe aux fenêtres, mais c'est tout blanc dehors, c'est magnifique. Je suis une gosse, mais je suis fascinée. Moi, j'aime quand la neige elle est sur les branches des arbres et tout. C'est beau, c'est incroyable. Je suis trop contente. J'ai fait un outfit, j'ai un pyjama avec par-dessus d'autres vêtements. Et je suis en mode très Noël, très plein d'épices vibes. J'adore. La neige est fond, du coup ça fait des bruits de gouttes qui tombent et tout, et ça crunch crunch quand on marche dedans, j'adore. Ah oui d'accord, c'est moins pratique pour voir derrière. C'est la première fois de ma vie que je mets de l'essence moi-même. C'est moi, j'ai mis l'essence dans la voiture pour la première fois de ma vie. C'est moi, j'ai fait. Moi, j'ai aidé un monsieur. Mmh. Bah, comme ça, on était performante. On a fait deux plats en même temps. Ça m'avait pas c'est une chose tellement hors du commun qui se passe aujourd'hui. Nous prenons un caddie. Oh, parce qu'on a la voiture, on a l'auto. Donc, on peut prendre de la litière et des croquettes en même temps. Bré, bré. C'est la première fois que je vois cette marque-là. On aura un petit peu de temps, on les goûtera, je pense, puisqu'ils sont pas excessifs pour des paniers. Il y a le haricot comme ça, mais ça, ça me tente moins. Ça, c'est un pack de candy up normal. Tout le monde connaît, 6x12. Et juste la gueule du gros mignon me fume. Mais regardez là, ils font des packs familiaux comme ça, de 12. Vous l'aviez déjà vu, parce que nous, jamais. Si on n'était pas pauvres, on aurait pris un gros pack. Vous avez déjà goûté caramel? Parce que nous, on a goûté coco qui était bon. Chocolat, j'ai goûté choco noisette, fraise, vanille. Mais caramel, j'avais jamais vu.
on rentre à la maison, mais parce qu'en fait, on a pris 4 boissons énergisantes, mais on a laissé le... On avait aussi le clair. Mais surtout, on a laissé les sous pour le calendrier de l'Avent sur la table. Et la promotion s'arrête là, bientôt. Donc, il faut qu'on y aille là, en fait. Donc, on va prendre les calendriers de l'Avent. Les garçons. Moi, j'aime bien les animaux. Les petits chats. Et cet après-midi, on ira à Leclerc, du coup, pour faire nos calendriers de l'Avent à nous, ainsi que la litière et les croquettes des chats qui coûtent moins cher à Leclerc, hein, tant qu'on a le véhicule, en fait. Et après on me demande pourquoi des fois j'en ai marre de cette sœur. Elle est littéralement en train de dessiner sur la neige du toit de son pénis, de son sénis. Regarde. De son sneak pour que à l'intérieur on puisse voir un magnifique dessin. Voilà. Ah, mais on n'a jamais dit qu'on était très intelligente, on n'a jamais dit que notre âge mental il était élevé, hein. On se permettrait pas. Excusez-moi, mais j'avais jamais vu les fleurs de Noël mais en rose. Mais je veux ça en fait. Re-coucou, on rentre du secours catholique et des petites courses. Je vais d'abord vous montrer les légumes parce que ma copine Anne-Laure elle arrive pour récupérer les légumes qu'on ne garde pas, donc let's go. Des poireaux, donc ça c'est pour elle comme d'hab, on déteste toujours autant les poireaux, là il y en a 3. Il y a de la salade comme ça là. Je vais en garder une petite, lui donner une grande et je pense que je vais lui donner aussi mes pousses de salade parce que je les mange pas. On a 2 fenouilles, un petit rond, enfin petit marron, 2 carottes, si on peut appeler ça des carottes vu leur taille mon gars. On a quelques patates, donc ça on va les garder. Et après, c'était au don en plus, il y avait des oignons rouges, des oignons et des échalotes, donc j'en ai pris pas mal, je vais lui en mettre quelques-unes aussi. Et voilà, je monte les autres courses après. Au secours catholique en don, il y avait des classeurs, donc j'en ai pris 2 pour que les garçons puissent ranger leurs dessins dans leur chambre avec des pochettes plastiques. J'avais également un trieur comme ça qui était en don et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour ranger aussi des papiers au niveau de mon imprimante et tout. Je trouve papier, plein de papiers qui traînent partout, ça peut être cool. Les intercalaires, ça j'ai encore fait avec les gars, on en a besoin cette année donc c'est pratique quand ils sont allumés. Et il y a un cahier, en fait un côté ligne, un côté feuille blanche. Je me suis dit que ça c'était trop cool aussi pour faire avec eux. On a acheté pour 1€ le Big Deal en peluche comme ça. Brandon est fan du Big Deal et je me suis dit que ça pourrait être un très mignon cadeau de Noël pour être dans sa chambre. En don, il y avait le DVD de Very Bad Trip, donc on l'a pris. Vu ma copine, je vais aller la voir. Je vous reprends après. Les gars, je crois que j'ai une passion dévorante pour les cravates moches en ce moment. Et j'ai trouvé celle-ci avec des effets un peu de petits cadres, je dirais. Je sais pas, il y a moyen d'en faire un truc un peu princier, un peu cool. Et celle-ci là. Écoutez, j'ai un problème avec les cravates. Voilà, c'est tout. J'ose la mettre, c'est tout. Et après, au don, ils le donnaient, du coup, parce qu'ils n'arrivent pas à le vendre, un sac comme ça, Reine des Neiges. Vous voyez, il est hyper grand. Et il y a la petite pochette dedans. En plus, les zippettes fonctionnent super bien et tout. Et on s'est dit, bah, c'est trop cool pour tester pour les pique-niques ou quoi, pour quand on a envie de changer de sac ou quand on fait, moi, chez ma mère, faire un petit sac pour emmener tous ses jeux, les doudous et tout. Bah, trop cool. Est-ce que je vous ai pas montré? Après le Carrefour Market, on a pris des canettes. Du coup, une Monster Mango Loco, bien évidemment. Là, on a fait de l'infidélité à la Monster, il y a une promo sur la Rockstar. Normalement, on n'aime pas ça. Mais, ça, elle m'a dit, je ne me rappelle plus le goût de la classique. Donc, à 85 centimes, bah, elle en a pris une pour voir classique. Et moi, j'ai repris Tropical Goyave. On verra bien. De toute façon, c'est immonde, mais bon. On aura une dose de sucre énergisant dans les veines. Et c'est pas tout ce qui compte au final. Un petit peu. Et pour chat, on voulait le prendre de la 7-2 qui n'existe toujours pas, hein, on n'a plus. Mais on a trouvé à la place la charnue blonde. Écoutez, on a trouvé ça drôle, du coup on en a pris une. Et ensuite, on passe au calendrier de l'Avent. Je vous le montre vite fait, de toute façon vous la verrez bien dans les vlogmas. Mais pour chat, j'ai pris le Galak chocolat blanc, comme chaque année. Et les enfants, cette année, voulaient les trains, comme ça, de chez Kinder, tous les deux. Donc on leur a pris ça. En plus, il y avait des promos, il y avait 3€ en moins sur chaque train. Et pour ça et moi, en fait, là, après cet après-midi, on va aller au Leclerc, on va aller voir si on en trouve un dans notre budget qui nous reste. Coucou, je reprends, il est 14h15 et on va manger avec soeur devant la fin du vlog de McFly et Carlito au Canada. Et j'ai fait des crêpes comme ça avec la presse de pâte à crêpes que j'ai fourrée au fromage. Et soeur, je lui ai fait jambon au fromage, poêlé, excellent, petit repas rapide, simple. Et pour le dessert, il y a des crêpes avec du sucre, ça ira très bien. Monster, oui, il y a les donuts Oreo aussi à finir. Voilà. On est obligé de finir des trucs de fou parce qu'il faut manger en fait. Il y a trop de trucs dans le frigo et tout, c'est une dinguerie. Mais du coup, voilà, sachant qu'on pourrait prendre des yaourts si on veut aussi, parce qu'il y en a du yaourt. Hein. Et après, je vais changer aussi ma coque de téléphone, m'habiller. Je voudrais me faire dans les ongles en rose, je pense que je ferai ça ce soir. Il faut sinon que je fasse du montage parce que je
vais être trop en retard pour les vlogmas sinon. Et après, du coup, on ressortira cet après-midi, mais sur Montargis. Comme ça, on mettra de l'essence et on ira chercher les calendriers de l'Avent, ainsi que la litière et les croquettes pour chat chez Leclerc. Du coup, on devrait payer ça beaucoup moins cher en fait que chez Carrefour. Donc voilà. Je vais aller me coiffer, mais je me suis maquillée et habillée en Lolita. Ah, il manque mon collier aussi. Je vais me coiffer, mettre mon collier et on va aller acheter nos calendriers de l'Avent et on vous emmène. Il est 16h, je suis en Lolita du coup, comme je vous disais. Je suis avec le sœur et nous allons chercher mon calendrier de l'Avent, je le redis encore une fois. J'ai mis ma grosse coque Hello Kitty, c'est trop beau, j'ai mis un cinnamorol et tout. Dès qu'il y a un miroir, je vous montrerai le reflet que ça fait parce que c'est trop mignon. Ah, le retour de la grande vie, le caddie Leclerc. Let's go, faire les petites courses. Et ben, la pause pipi traditionnelle a été effectuée, wesh. Il y a plein de gens qui me regardent bizarrement. Sachez, si un jour vous voulez porter du sweat Lolita ou des modes alternatifs très colorés, parce que pour le gothique et tout ça va, mais pour les modes alternatifs colorés ça passe moins. Sachez que tout le monde va se retourner comme ce monsieur là, ou comme celui-ci, et vous regardez comme ça. Et c'est normal. Donc si vous voulez porter du Lolita, bah, sachez qu'il faut que vous soyez accroché, que vous assumiez vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Et surtout que vous soyez avec des personnes qui n'ont rien à foutre, comme cette personne qui se présente. Regardez le petit Miglo. Regardez, il y a Olaf. Là, c'est les Lego Mario. Ça me pique Hélène. Waouh. Là, il y a tous les personnages de Bluey. Oh, waouh. Oh, elle est belle. Ça. Même là, regarde. Un peu triste, il y a de moins en moins de pépeux. Oh, mais regarde ma pépeux, comme elle est belle. Regardez Pépou, elle a mis sa petite robe. Regarde Pépou, elle marche. Oh là là là, il pleut. Il pleut. Regardez, il y a un petit cochon. Oh non, sœur. Oh. Oh, il est matière cochonnée. Alors lui, il est tout doux. Et lui, il est tout mignon. Il y a Ectoplasma, il est trop beau. Oh, il y a même un Dracolos en Azumarine. C'est ça? Moi, c'est ça que je veux. J'ai déjà gros Kirby qui est là, juste en dessous. Et je veux bébé Kirby avec le cœur et Kirby sur l'étoile. Regardez. Oui, Orphée, lui, c'est ça qu'il voulait, les petites peluches Mario. Mais là, en vrai, je pense qu'il serait trop content d'avoir celui-ci qui lui manque. Celui-ci. Celui-ci. Ouais, ils sont trop beaux. Regardez même le gros champignon là, la grosse étoile. Chou en velours. J'aime bien quand même parce que là on est dans les rayons où il n'y a personne. On a regardé les rayons des jouets et il y a trop plein de. Tes sœurs. Il y a trop plein de jolis jouets. C'est pour ça que je vous montre plein de trucs parce que j'aime trop. Du coup, je disais, le désavantage d'être Lolita, ce que je disais tout à l'heure, c'est les regards des gens avec insistance, pas des regards bienveillants, vraiment des regards, mais c'est quoi ça? Les rires en mode non, regardez, elle est très ridicule et tout. Les insultes aussi. Les gens qui viennent te toucher sont peut-être demandés aussi, toucher tes vêtements. Qui se penchent pour essayer de regarder sous ta robe parce que c'est gonflé. C'est déjà arrivé plus d'une fois, croyez-moi, ça arrive plus souvent que son bras. Et après, t'as quand même des avantages trop mignons.
Comme là, la dame à la caisse qui vient me voir qui me dit oh, je suis désolée, mais j'aime trop votre tenue. En plus, ça vous va trop bien. C'est vraiment joli. Hein, fallait que je vous le dise. Bah, merci, c'est très gentil. Ou le petit garçon qui vient en compagnie de son papa. Bonjour, madame, excusez-moi, c'est joli. Parce que son papa l'a autorisé à venir me dire que c'était joli ce que je portais, vu qu'il voulait me le dire, mais qu'il ne savait pas si on pouvait se permettre. Oui. Et ça, c'est adorable. Voilà. Les petites filles aussi qui te font coucou, qui te regardent, genre, trop mignon. Il y a une petite fille, une fois, anecdote, qui m'a dit « Waouh, maman, regarde, elle est trop belle, on dirait une princesse !» Donc je lui fais un petit coucou, un petit sourire. Et sa mère lui répond « Non, ça peut pas une princesse, ça, c'est une adulte attardée. » Je trouve ça horrible pour la gamine qui trouvait ça juste joli, en fait. Tu peux lui dire « Ah, ouais, super !» C'est pas une princesse, mais elle s'habille comme une princesse, à la rigueur, si tu veux pas que ta fille pense que je suis une princesse, mais voilà. Pardon, madame. Enfin bref, du coup là nous allons chez Action. On est sorti de chez Leclerc, on a mangé des brettes sauce curry, c'est incroyable. Et voilà quoi. Tu sais comme elle est belle en rose, moi je l'ai en violet. Même ce lapin il est beau. Ça c'est un sœur qui est content parce que je lui ai donné le code pour qu'elle ait Netflix aussi dans sa chambre. Vu que je pouvais avoir que deux écrans, j'ai enfin pu enlever mon PC. Comme ça je mets son PC et ma télé en bas. Ça permet qu'elle puisse elle regarder dans sa chambre, même avec moi si je veux venir là des fois avec elle. Et qu'on puisse regarder dans la salle à manger, donc c'est cool. Et Yannick lui l'a patracé comme un fou furieux. Et maintenant, dodo. C'est ça maintenant, dodo. Parce qu'il va être 1h du matin, comme on a dit qu'on se couchait moins tard cette semaine. En fait, j'ai dit, je vais me coucher moins tard et en plus, je me coucherai moins tard. Comme il n'y a pas chat et que toujours avec chat, je me couche plus tard. My bad, my love, hein, parce qu'en fait, c'est pas à cause de toi que je me couche tard même sans toi. Même là, lui, il dort déjà, en fait. Donc, c'est moi le problème, putain de merde. Et je suis tout gras. Et c'est parce que j'ai mis du labello, parce qu'en fait, c'est tout irrité, ok. On se trouve à la cantine. Non, je parlais de ma lèvre, ok. Je ne mange pas trop à la cantine, madame. Contrairement à Ninique. Je sais ce qui me fixait. Bref, vous allez me coucher. Déjà, je redescends faire pipi, c'est pour ça que je suis dans les escaliers. Je pisse pas dans l'escalier, mais je vais aux toilettes. Et après, je vais remonter. Ouais, je sais, je suis hilarante. Je vais me coucher. Du coup, bah, comme beaucoup de gens, je vais aller me coucher dans mon propre lit pour dormir. On passera le fait qu'il est presque 13h. Je regarde Boule, je prends mon petit déj et Guyotte et tout. Il fait extrêmement froid dans la maison. Pourtant, on a deux radiateurs électriques d'allumés. Là, je suis en train de lancer un feu parce qu'il faut vraiment que la maison se réchauffe, c'est une dinguerie. Coucou, je vous reprends, on est le samedi 23 novembre, il est 16h, je prends tout comme ça. Là, je suis avec Nistouille, on a Weasley ici et Bibi Chaupier. Juste avec mes chats dans le canapé. Je me sens pas ouf. Du coup, je me suis dit que j'avais pas envie de vlogger parce que j'ai pas envie de vlogger ça. Mais après, j'aime pas dans mon montage quand même aucune journée, donc... Here we are. Coucou, il y a Tsula qui est passée pour le goûter. Elle nous a ramené des petits pains au chocolat et des donuts à la framboise. Donc je vais manger le mien, puis je suis dans la salle de bain. Je vais prendre ma douche, je me sens pas ouf. Normalement, il y a mon chat qui rentre ce soir, donc ça c'est cool. Faudra jouer avec mes écarteurs aussi. Et Brani qui est passé, parce qu'il me dit « Ah, tu veux que je passe et tout ?» Je lui dis « Bah ouais, je me sens pas bien, donc si t'as envie d'être en mauvaise compagnie ou avec ma soeur, oui, mais c'est mignon. » J'ai juste envie de rester là, chialer, donc je vais prendre une grande douche chaude. Et voilà, j'attends de retrouver mon amoureux. Voiture, je suis avec le sir. Comme vous voyez, on est en pyjama parce que littéralement il est 23h57, donc presque minuit. On devait récupérer chat à la gare de Ferrières, ce qui était à 5 minutes de chez nous, hein, puisque c'est à Ferrières qu'on habite à Ferrières. Regarde la fatigue. C'était très bien. Ça montre pas. Non, des fatigues. Non, mais elle pas fatiguée au volant. En vrai, elle a baillé parce qu'elle baille, ok, c'est bon, ça arrive, c'est comme ça. Le train du dodo il arrivait en fait, mais comme c'est un être extraordinaire, elle a dit bon, on va le chercher parce que. En fait, il est à Nemours et il y a quelqu'un qui l'a. Il y a quelqu'un qui. Oui, sinon, si on peut pas venir chercher, il va dire tant pis, je dors dehors. Et bah voilà. Mais c'est juste, il y a quelqu'un qui l'a poussé à l'extérieur du train, à un arrêt. Et du coup, il est tombé, le train est reparti. Enfin, ça s'est fermé et le train est reparti quoi. T'aurais pu être super dangereux. Imagine, il était à moitié, est-ce que des.
des fois il y a des trains où il a fait un trou. Bah y a, ouais, c'est ça, je me suis dit encore, il est vivant et en entier. Et un mec lui a mis un coup de pied et l'a poussé hors du train. Donc du coup, bah là il était en pleurs et trop mal et énervé et tout ce que tu veux. En me disant, est-ce que vous pouvez venir me chercher parce que je vais péter un pont, genre. Sachant qu'il a déjà eu des trains qui n'étaient pas là à Paris, parce que tu passais par la gare de Paris pour reprendre des trains, pour aller à Fontainebleau, etc. En fait, c'est beau en tant que touriste seulement. C'est pas beau. Moi, j'aime bien, il y a des endroits, des petites rues, des petites boutiques. Faut aller dans les bons endroits et les bons quartiers. Parce que sinon. Ah ouais, la Seine. Non. Bref, moi j'adore Paris, je trouve ça très beau. Mais. Je sais que c'est pas. Voilà. Il y a deux très belles villes en France qui sont tellement sous-cotées. Les petits villages sont incroyables à voir plutôt que d'aller à Paris. Le centre de Sarlat, il est super beau. C'est vrai que Sarlat à la Canéda, dans le Périgord, c'est très très beau. Mais après, c'est pour ça que c'est très très touristique. Mais ça reste super beau alors que Paris. Moi j'aime bien Paris. Mais en bref, c'est pas ça le débat. Du coup, en gros, il a des problèmes avec ses trains en même temps, la SNCF. Voilà. Et du coup, déjà, il arrive tard. Il arrive à plus de minuit alors que il devait arriver à 22h max, tu vois, parce qu'il a été bossé toute la semaine. Là, ce qui fait que moi, je devais retrouver un chat tout amoureux, tout mignon, tout content de me retrouver. Et je retrouve un chat tout fatigué et énervé de la vie. Ce qui est pas de sa faute en somme, et ce que je comprends totalement. Mais du coup, mon soeur, qui est un être incroyable, a dit bon, allez, on va le chercher quand même. Heureusement que la voiture est réparée au final, et merci à cette personne extraordinaire à qui je devrais acheter encore plus de cadeaux d'anniversaire de Noël. D'anniversaire aussi, du coup. Ouais, faut un cahier de coloriage, faut que je t'achète un livre de coloriage, c'est dans ma liste. Ah là là, je vous jure. Des chaussettes qui tiennent chaud. Bah, on va aller chez Action. Une Switch, il y en a une belle. Ouais. À la base, je voulais lui offrir sa Switch, mais vous savez, j'avais même pas économisé pour des trucs plus courts, alors pour une Switch. Parce que j'ai des bretelles colorées aussi. Il y a plein d'idées. De toute façon, cette année, du coup, contrairement à toutes les années précédentes, on vous fera une vidéo wishlist et je mettrai la mienne avec quelques trucs en image et je ferai la wishlist de sœur exceptionnellement parce que je trouve ça trop cool de faire ça pour les Vlogmas. Voilà. Bref, je vais l'éteindre parce que c'est chiant quand elle conduit qu'elle a la lumière. Mais c'est pas grave, on arrive en ville. Quand on arrive en ville. Arrête, il y a les flics. Pardon, désolé, c'est que des fois, ça nous arrive souvent de faire des trucs en même temps. Alors, je sais pas pourquoi on a autant. Oh, alors que c'est tout à fait normal, on a toutes les mêmes rêves, on fait toutes les mêmes conneries ensemble. T'as vu, un mondial relais, mais. Je sais pas pourquoi j'étais fast speak en arrière là. Ah oui, ça me l'a proposé dans les trucs vers. Nemours, ça serait quand même plus cher ici que. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on pourrait regarder à Saint-Pierre-et-Nemours ou à Nemours. Ah, ce qui est drôle en plus, c'est que du coup, on va le chercher dans le 77 parce que nous on est dans le 45, mais c'est collé au 77. On passe voir papa ou le passage. Ouais, là ça refait un détour quand même. C'est pas grave. Je vais vous laisser là, on va continuer de blablater avec ma soeur, on va profiter des 5 dernières minutes avant de récupérer un chat énervé. Et bah écoutez, je vous reprends après du coup au final pour ce vlog de la journée qui était horrible de A à Z.